Bonjour, je suis Don Bunzel et aujourd'hui on continue ce tournoi à 100 euros sur Rocket League. 100 euros pour le vainqueur, on a déjà dit. Aujourd'hui c'est les quarts de finale, les demi-finales et petite finale et grande finale de ce tournoi. Donc 8 matchs encore à voir aujourd'hui. Il reste 8 adversaires tout simplement. Donc on va se diriger assez rapidement vers ces matchs. Encore une fois, il y a un timecode dans la vidéo. Vous pouvez voir le match que vous souhaitez. Vous pouvez zapper directement pour la finale si c'est ce qui vous intéresse. Tout est écrit en description également. Et puis voilà, tout simplement, je voulais vous dire... pour ce tournoi, donc j'ai apprécié l'organiser, j'ai apprécié la majorité des joueurs qui ont participé à ce tournoi et j'espère continuer et les revoir en tournoi 2v2. Toujours les inscriptions ouvertes, donc toujours une possibilité d'y participer si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez plus de 16 ans, alors venez, faites-moi signe, venez sur mon Discord, mettez-moi 50, 60, c'est écrit un peu partout sur la chaîne, notamment dans ma description, donc je vous y attends. Alors, quart de finale. Petit Wolf Bart. Après deux gros premiers tours pour les deux, hein, franchement. Des premiers tours très très difficiles. Avec une défaite à chaque fois. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Ok, parfait. J'ai du mal à savoir qui va gagner. Je trouve que Petit Wolf, il a beaucoup, 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 beaucoup joué sur ce mutateur. Donc, mais quand j'ai vu le match au premier tour de Bart, franchement, il mérite quelque chose. En vrai, on a envie de les voir les deux. Je vous le dis, on a envie de les voir les deux en demi-finale. Oh, il a loupé son bump, Petit Wolf. Allez, Bart, il peut peut-être en profiter, mais c'est compliqué sur cet endroit. Ouais, sur le corner comme ça, c'est compliqué. Oh là 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 là, risqué mais sauvé. Je suis dedans. Encore une fois, on est en train de retrouver le même schéma avec Valentin. C'est très très peu de buts. Une défense en béton comme avec Darkou. Pourtant Bart marquait pas mal avec papa. C'est offensif, mais c'est deux styles de jeu. Mais Valentin, j'ai l'impression qu'il a changé un peu son style, quoique. Effectivement, encore une fois, on trouve très 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 peu de buts. Oh là 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 là, oh la oh. Ah bravo, bravo, bravo. Oh là 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 là, c'est fantastique. Ouais, ce qui est logique. Un beau petit 1-1, c'est mérité, c'est comme ça.
Il commence à prendre la confiance, Bart. Il commence à savoir bien comme il faut jouer. Hein. Bart, il est de plus en plus bouillant. Hein. Oh là 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 là. Il n'a pas encore atteint le maximum de son niveau. Oh là là, elle est belle, oh là là. Ouais, beau petit, tu m'étonnes. Ouais, bravo, elle est belle. Je peux rien faire, qui dit. Oh! Quel arrêt! Mais oui, quel arrêt! Et ça rentrera pas. Mais quel arrêt! Parce que 4-1, ça aurait fait mal. Hein. Là, 2 minutes, là, il y a le temps, il y a le temps. 4-1. C'est bon, tranquille, tranquille. Voilà, tu vois, tu peux faire quelque chose. Tu vois, Valentin, t'es dedans, tu vas y arriver. C'est bien ça! De bail, tu m'étonnes, ça pique. Ça sent mauvais. C'était un terre à la matelas. Voilà, bravo, bravo, belle défense. Comme souvent, Bart, encore contre ton camp. La même. Ouais, aïe, 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 et voilà. Et ça fait mal. Mmh. 25 secondes. Et c'est là que Léon lance les paris. Ça passe ou pas pour Valentin? Ça va chercher l'overtime? Au moins c'est réglé. Il n'y en a pas d'overtime.
Pas grave, deuxième match. T'as l'habitude, t'as déjà perdu le premier match du premier tour. Buts d'écart, c'est bien, c'est clean, c'est normal. Je misais sur lui et je pense qu'il va gagner le deuxième match aussi. Allez, observez. Pour moi, Bart, il gagne celui-là aussi. Et Valentin se fait éliminer. Bye bye. Mais il aura eu vécu une grosse pression au premier tour. Là, une autre pression, mais on va faire autrement. Et ah non. Tu vois, Bart, il est vraiment très 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 souvent sous sa ligne de but, hein, en vrai. Et oh, le but, oh là 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 là. Ah. Pas d'excuses, Valentin. Pas d'excuses. Et là, il le met ou pas? Il va le chercher. Il va le chercher. J'ai pas vu s'il avait chatté encore. Je te laisse gagner, GG. Non, arrête. Tu laisses gagner rien du tout. T'as le droit de perdre, Valentin. T'as le droit d'être un peu moins fort. Ça va être compliqué. Je sais que Valentin il aime pas trop être derrière comme ça au score. Ça c'est bien pour le suspense, pour son moral.
Et disais, je te laisse gagner, c'est juste pour avoir une petite excuse, petit Valentin. Bah, elle est vraiment pas facile non plus celle-là. Hein. Elle se lève bien, il a de la chance un petit peu quand même. Hein. Ça aurait pu se louper. Oh! Et à part du but pendant longtemps, ça a marqué un but à la fin dans les 10 dernières secondes. On a eu énormément au premier tour de buts dans les dernières secondes. À 10 secondes de la fin, à chaque fois il y avait des buts de 5 secondes. Et qui pouvait changer en plus le cours du match. Ah oh là 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 là, ça va. Attention quand même de pas te mettre un ongoun. Eh bah ça va être le cas, Bart. Ça va être le cas, bah oui putain, tu m'étonnes. Enfin si ça ça veut dire putain, bah tu m'étonnes, bah oui. Le on goal, trop forte. Dommage pour toi. Oh! Oh, elle est belle celle-là! Comment? J'ai pas. Faut qu'on voie. Qu'est-ce qu'il fait de bien pour eux? Oh! Ah, elle va tout droite en plus! C'est rare les engagements comme ça ici. Finalement, on va peut-être avoir le troisième match. Et attention! Au premier tour, tout le temps normalement. Le deuxième vainqueur du deuxième match gagne la série. Ah Bart, il aura une journée de pression et Valentin aussi dans tous les cas. Hein. Putain. Les deux étaient à deux doigts d'être. Enfin, Valentin pas trop encore au premier tour. Mais Bart, ouais, il était à deux doigts d'être éliminé, mais vraiment. Vraiment à deux doigts. Hein. Non, dommage. Bart, c'est quand même celui qui s'est mis le plus d'on goal. Ouais, j'ai cru que ça allait recommencer. Ouais, voilà. Bon, comme ça, c'est bien. Hop, on va se faire tout dans le dernier. Allez, on mise Bart quand même. S'il arrête de se mettre des on goal. Oh, GG Valentin, il va la mettre. Oh non, totalement loupé. Oh! Oh, le retour. Non, j'allais dire, ça c'est abusé. Ok, là je sais pas où est Bart, le là, d'accord.
Qu'il arrête avec ses own goals. Non, ça c'est trop risqué, Bart, parce que si elle repart, t'es dans la merde. Et Bart. Ouais. Ça c'est bien, il a compris, hein, que sinon ça rentre dedans quand c'est comme ça. Allez, petit Bart. Alors t'as un qui va pas attaquer, qui va laisser Bart faire. Bart il se fait avoir des fois tout seul, donc Valentin il laisse et bravo, belle frappe effectivement. Bien tapé, bien tapé. Bravo Bart. Bravo, mais on sait que c'est loin d'être terminé. Allez, Valentin. Elle va vraiment droite là, hein. Ouais. Ouais. C'était bien joué, le petit coup de cul. Le petit coup de cul. Et ça fait plusieurs fois que Valentin, déjà au premier tour, il essayait de jouer un petit peu avec la fesse de sa voiture. La fesse gauche, la fesse droite. Et cette fois ça passe, c'est bien. Oh! Pourquoi? Mais pourquoi, Valentin? Oh, il veut tenter un truc, mais pas comme ça, Valentin! Pas de cette façon. Par contre, bravo, elle va dedans. Parce qu'avec l'effet que la balle elle fait, c'était pas sûr qu'il la mette dedans. Oh! Oh, j'ai cru qu'il allait être dégoûté. 2-3 minutes du coup fait chier parce qu'il a été rattrapé Valentin et finalement il se retrouve encore une fois derrière d'un but. Attention là, ça peut tout. Attention quand même. On va essayer de la frapper, elle est belle, on sait contre le mur, c'est ce qu'il faut faire. Oh elle est belle, et pas Valentin qui passe à travers pratiquement. Oh ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup 3-1. Bart en sueur, mais Valentin encore plus. Ok. Il a encore le temps, il a encore le temps. Mais je pense qu'en vrai, ça s'annonce très très bien pour Bart. Ah, il est où alors? Ah, la balle est dans son camp, la balle est dans son camp! Ah, il était dessus. Non, trop sur le côté. Oh! Oh, il va y aller chercher! Oh! Quel arrêt! Alors, en vrai, Bart, c'est un putain de défenseur. Hein. Très bon défenseur. Hein. Il reste 1 minute 20, vraiment, il joue avec le temps. Valentin, oh, il voulait que ça fasse l'effet de l'autre côté. Ouais, c'était sûr! C'était sûr! Il est malin, c'est bien. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ah, bah, il met un 4-1, ça tue le match. Hein. Fort et... Oh! Quel arrêt encore une fois de Bart! Mais quel défenseur! Quel joueur! Clairement, il mérite d'être ici. Et voilà Valentin qui panique. Voilà, Valentin qui panique. Et il le sait maintenant, c'est full attaque.
Et là... Ah, moi j'aurais pas tenté. Tu gagnes 3-1, mec. Je serais revenu en défense. Attention quand même. Parce que tu t'es déjà fait avoir presque contre ton papa. T'as pris un but à tout à la fin du match. Bon, t'as quand même gagné en overtime, dernier match, mais fais attention quand même. Eh ouais, bravo, Valentin, il va y t'écouter. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Bravo! À Bart! Belle victoire! Tamtam, c'est quoi pour Le YouTube? YouTube? Darling Gator. C'est écrit sur le groupe si tu veux. Sur le groupe Discord. Ouais, je suis sur le truc de papa là, j'étais voir dessus. Allez, let's Ah oui, go! il y a quoi? Kawo Gaming, Darling Gator, quart de finale! C'est ça. Mais Kawo il va gagner! À moins d'une grosse surprise! Et on y croit, la surprise, on y croit, il y a peut-être moyen. Oh, bien joué! Allez, vas-y, pète-le, défonce-le en vrai! Allez, Camille! J'avoue, j'ai un peu un favori là. Non! Non! Mince. KO, t'es nul! Ah! Ouais, c'est ça, en même temps, platine 1, platine 2, l'autre il est diamant. Diamant 2, diamant 3. Quand même une grosse différence, hein. Entre platine, diamant, normalement. Même si ça veut rien dire. T'as vu la balle contre les murs, c'est hallucinant. Elle va C'est trop dans le but clair. trop vite, c'est. Mais en fait, c'est là, c'est ça l'astuce en fait dans ce C'est jeu. ça, ouais, faut tirer Elle est contre trop le mur assez fort et à chaque fois faut. Ok, allez, vas-y, tu l'as, bien joué. Un peu plus de pression, il a de la pression, KO. Ah, ça va, normalement il se tape en demi-finale un gros, donc il devrait jouer la petite finale pour les 20 euros. Donc à mon avis, KO, même toi, tu. Si c'est Xuko, en vrai, il est pas mal, hein. Si c'est moi, ouais, c'est pareil. Ah ouais, ils sont bons, Mais ouais, hein. tu gagnes Normalement, quand encore t'arrives un. à la fin, tous les gars, ils sont bons. Ouais, bah oui, forcément. Tu gagnes encore un affrontement, tu gagnes des sous. C'est ça. Tu gagnes 2, tu gagnes 100 euros. Ah, Ouais, elle se pas mal. défend pour l'instant. Allez, KO. Ah, dommage. Zaren s'est loupée. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle loupe des trucs, Oh, bien joué. c'est pas trop grave quoi. Elle arrive à se remettre assez vite. Ah ouais, non, elle a de bonnes rotas, hein. Ouais. Pas Elle se mal. repositionne bien à chaque fois. Surtout, elle aurait pas dû jouer au tournoi normalement. C'est parce qu'il y a eu des absents. Donc c'est cool. Ah, c'est ça. KO. En vrai, KO, c'est une honte s'il perd. Après, ça dépend là-bas, T'étais là, pas. comment ça se passe, mais T'étais normalement. pas là quand Kawo il a joué, non? T'étais pas là au deuxième match, toi. Non, j'étais pas là. Il a perdu son premier match et après il est remonté, mais c'est pareil que toi et papa, quoi. C'est vraiment de justesse, justesse, quoi. Oh, les bons sur les bons, Oui! les bons. C'est bien ça! Ça va faire du suspense! Allez! Yeah. Sors-le, sors-le, sors-le! Tu veux un petit secret, Bart? Non, Per vas-y. personne ne sait. Bon, ils sauront s'ils voient la vidéo. Tu sais, c'est qui, Cam Cam? Là, du coup, c'est Eliante, non? C'est. Non, heureusement, sinon il n'y aurait pas le niveau là, mais. C'est la sœur de Eliante. D'accord. C'est sa petite sœur. Mais elle joue bien, je trouve, moi. Elle fait pas Et moi, je de trouve. mouvements inutiles. Ouais, c'est Elle ça, mais est, elle se sinon après, positionne bien. que ce soit aérienne ou des trucs Franchement, comme ça. Hein. Et elle a jamais pour joué une avec son platine, mutateur, hein. Elle a pas d'entraînement, hein, sur le mais t'as mutateur. vu, mais aérienne, t'as vu avec ce mutateur ce qu'elle a mis quand même à la fin là sur ses passes et les tirs, c'était pas mal, hein. Elle se positionnait bien. Hein. Elle saute pas pour rien, et puis à chaque fois qu'elle saute, souvent elle arrive quand même à les toucher, T'as quoi. vu, il y a quelque chose, ben ouais, c'est. Et franchement, je te jure que je m'y attendais pas. J'attendais vraiment un niveau très très faible en vrai. Déjà, je l'attendais pas à gagner un match. Mais elle l'a détruit l'autre. C'est clair. Bah, elle a gagné les deux, hein. Puis pas avec des petits écarts en plus, Ouais, hein. de ouf. Elle a même pas pris un but, hein. Donc franchement, ouais, Ah ouais. c'est impressionnant. Je pensais vraiment pas. Ça va être compliqué contre KO, c'est un vrai diamant, mais.
Ah, parce que quand tu m'as dit qu'elle était platine, j'avais plus l'impression que c'était l'inverse à la fin. Ouais, moi Tu aussi, vois, elle t'inquiète. sonne bien, Moi aussi. elle arrête bien, Ouais. elle a fait son saut pour rien. Du coup, tu pourras jouer après aussi, hein, après 18h si tu... Bah, du coup, pour la finale. Ah oui, après moi je suis dispo, mais c'est à cause de mon train surtout quoi. Attention, attention, attention! Ah, ça passe, putain. Par contre, là, elle commence à avoir la Ben, pression. ça peut déjà prendre Si elle belle part. réussit à Ah gagner oui, ce c'est ce que match... je pensais. Ah, dommage. Ah, elle s'en sort, elle s'en sort. Bravo, elle s'en sort. Même si elle perd, en vrai, c'est bien, c'est beau. C'est Même si elle perd, pas on peut son pas jeu dire qu'il Rocket pourrait League, pas la gagner avec. elle joue si rarement et tout ça, et franchement, elle fait quelque chose de bien. Je sais, Non, c'est ouais. propre. Hein. T'as vu, c'est... Ouais. Regarde. Ah, dommage. On peut pas dire que pour l'instant il gagne avec un grand écart. Hein. Et... Enfin, c'est quand même assez close hein, comme game. Ouais, ça c'est Non, non, pareil. si ça Oh, elle est passe, dedans. si ça passe, c'est Elle est dingue. dedans. Yeah! Oh my god, Oh, LKO! je vais Oh! Oh, le 35 mettre. secondes pour ce premier match! Mais c'est un monstre! Il faut On est tenir, en il faut présence d'un tenir. monstre! 35 secondes, les gens! Elle devait pas être au tournoi, elle peut se retrouver en demi-finale! Même si c'est encore loin, il y a encore un match après et tout ça, mais. On disait, ah, tu viens pas au tournoi, t'as pas le niveau et tout ça. Elle me disait pareil, bah ouais. Bah. Allez, défends. Défends. Chou, ah, Ouais. elle est en sueur là. Et KO, ils sont en Elle est train de se vraiment dire. en retrait. Et puis c'est galère de marquer, hein. C'est galère de marquer. Yeah. Mais KO, je t'ai Elle est entraîné, belle. frère. Non, 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 non. Reviens en défense, Kam Kam. C'est pas bien. Et... Oh Si, putain. si, Toi, en t'as plus fait de l'erreur là, par malin, elle contre, a bien contre joué parce papa. que. Contre Non, papa, non, elle a t'as. bien joué parce que. Ouais. Si elle laissait tirer, ça aurait pu faire comme moi contre papa et Oui, c'est prendre le vrai. but en restant en défense. Non. Ouais, mais Bilic sous l'autre, ça va être chaud après. Hein. Ouais, non, mais là, Les c'est deux en gros, impossible. Là, comme but. c'est vraiment impossible. Kawo, il a même pas mon niveau à moi, donc c'est jouable encore. Mais là, Bilix ou l'autre, Rip TV, là. Elle Attention, joue bien, elle se positionne bien, elle défend. pas prendre un kick-off. Ah, Mais j'aurais elle pas fait aurait pu ça, le moi. J'aurais été rater. sur la balle, là. C'est peut-être bête, là, non? Ouais. Ah, ça Ouais, va, parce hein. qu'en fait, elle peut rentrer directement dans le but là. Attention quand même. Allez, Oh, dégage. défonce-le. Allez, KO, va. Défonce-le. Ouais, Ouais, bien mais. joué. Oh putain, mais d'où? D'où? Elle a engagé un grand champion! Défonce-le. Ouais! Eh, t'imagines, tu la pontes en petite finale si tu perds toi aussi. Pour les 20 euros. Ben ouais. Un platine, frère, mais tu vas la battre? Elle a joué l'explosion, elle a vraiment bien joué quoi. Mais oui, d'où? J'ai jamais connu qu'elle faisait ça. Il y a une arnaque là-dedans. Ah, dommage, si c'est un kick-off, c'est. Allez, Kavo, réveille-toi, bordel! Bon, il aurait dû se faire éliminer au premier tour, Kavo, tu me diras. Pareil que toi contre papa, c'était Comment ils sont vraiment. bien là. Oh, bien joué. Oh, Ah, dommage. attends. Des trucs ou pas? Oh oui, ah, c'est chiant ça. Hein. Ah, Moi, mais. des fois, j'aurais des trucs que je Elle devrais même pas attend, elle rater de attend. base, tu sais. Elle a. Ouais, mais là, elle a le dessus. Oh, Ouais. non, ouais. Ouais, Ça, alors. c'était pas. Ça va dedans ou pas? Ah non, c'est bien, ça ressort, ça Non. ressort. Ça ressort. Ah, il reste 4 minutes quand même, hein, 4 minutes. Hein. C'est long, hein. Ça va être très Parce que très long c'est à pas. tenir. Hein. Et Kavo, il va prendre des risques et tout ça. Là, elle s'est Surtout totalement si elle loupée. ne monte pas sur les murs, c'est ça la cuine en Ah non, fait. mais Kavo, là, il abuse aussi. Hein. Eh bien, elle a pris son boost. Attention, ouais, non, là, c'était. Ouais. Ah, dommage. Elle est partie trop tard, en fait. Elle aurait pas dû y aller tout de suite. Alors, c'est soit elle partait tout de suite, soit elle restait derrière. T'imagines qu'elle a même pas essayé avant d'arriver dans le tournoi ce mutateur là quand même. Donc vraiment pas mal. Non, c'est pas mal, hein. Alors là tu parierais sur qui toi? KO ou elle qui gagne le tournoi la série? Bah, en fait, il faut voir, mais c'est serré. Hein. Elle peut gagner, en fait, là. Hein. Elle peut gagner, elle. Hein. S'il fait des conneries, regarde, tu vois, un peu comme ça, là. Là, ça, bah, il Ah mais va la regarde ça, prendre. elle pourra jamais aller chercher elle. Si, si, il aurait pas sauté, elle aurait pu faire un truc de beau. Elle l'a fait tout à Ah l'heure, hein. oui. Ouais, bravo, pas mal, ouais. Faut aller chercher ce match parce que le troisième ça va être compliqué, hein. Là, elle est bien, elle a monté sur le mur. Là. Ça, par Ouais. contre, dans ce mode-là, il faut pas sauter comme ça, t'es sûr de qu'elle rentrera jamais. Comme pinche-le.
Ah là ça va être compliqué, il faut que tu ailles la Ok. chercher, il faut que tu ailles la chercher, elle le sait! Bravo! C'est bien, elle a compris. Ah. Elle est Ouais, pas ça passe dedans, elle est pas dedans. au-dessus, tranquille, KO, toujours. La pression, dommage. Elle a de la chance. Ah, c'est bête. Ouais. Parce Dommage, ça fait qu'il 2-1, a bravo. de la chance sur le 50, elle est Il repartie va nous directement refaire en route. la même qu'au premier tour, KO, perdre le premier match et gagner deux suivants. Et de C'est pas justesse. fini, c'est pas fini. On n'est même pas à la moitié du temps encore. Il n'y a pas Ouais, beaucoup non, je d'écart. sais bien, t'inquiète. Mais C'est ce que c'est. je disais à chaque fois dans mon... quand je... parce que je jouais, je parlais en même temps, comme si il y avait quelqu'un. Et c'est Ouais. ce que je disais, c'est pas fini, mes amis, on a encore du temps. Et la preuve que c'est pas Regarde. fini! Oh 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 oh, c'est beau La preuve ça. que c'est pas fini! Voilà, c'est ce qu'on disait. Ouais, là, 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 Ah, là, c'est là. propre. Oh là 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 là. Oh, c'est ouais, c'est vrai que c'est propre là par contre. Hein. Elle reprend Elle est bien sur le belle. truc et ouais. Avec sa voiture dégueulasse. Bah, lui aussi de toute façon. Ah, c'est long, c'est long. Oh, on regarde, ça peut être dedans. Oui, c'est dedans! Oui. Oh, KO, il est en sueur! Oh, KO, il est en sueur! Par contre, Du c'est. kick-off. En plus, elle l'a bloqué au sol. Du Ouais. coup, on ne peut rien faire. On est en train d'assister à un match là. J'ai failli te dire sur Discord, ça sert à rien, à mon avis, ça sera pas trop serré. Ouais, tiens. Hey, c'est serré, hein. Vas-y, fonce dessus là, n'hésite pas. Au En vrai, sol. Bart, t'es dans le top 3, toi. Tu peux pas me perdre les deux prochains Ah. matchs. Il faut Là, voir. KO ou Kam Kam, donc Darling Gator, tu les bats forcément, je trouve. Après, tout est possible dans un tournoi pareil, mais non, tu me décevrais si tu n'y arrives Ah. pas. Dans le top 4, pas dans le top 3. Dans le Ah top bah, 3? non, oui. Si, Ouais. si. Oui, dans le top 3, ouais. Mais c'est pareil, hein, t'as vu, là, elle fait des belles actions. Si moi je saute pour rien et puis qu'elle me la compte comme à celle-là, des fois c'est ça le truc. C'est pour ça qu'à la fin j'ai changé mon jeu parce que je sautais trop. Je le dis quand je joue, je dis non, faut pas que je joue comme je joue en normal. C'est Faut ça. que je me pose plutôt. C'est pour ça que je me suis posé à la fin. Regarde, il est dedans celui-là. Trop d'on goal. Ah, Non, c'est dommage. Tu beau. vois, n'importe qui le met sauf elle, tu vois. Eh, parce qu'il était mal placé lui en défense là. Hein. Ah. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Mais fais-le. Bah voilà, mais ça avant. Aïe. Non, c'est bon. Les pas dedans, les pas dedans, les Ouais, pas dedans. tranquille. Et 3-3, faut vraiment qu'elle aille chercher maintenant la victoire. Hein. Un petit quatrième, et là, ça. Ça a changé les Ouais. choses. Ça Le va, premier qui t'es marque tranquille. le quatrième but, il aura quand même un gros avantage. Là, ça met la pression en une minute. Difficile de dire qui va gagner la série quand même. Là, ouais, c'est vraiment Mais serré, un hein, j'ai 3-3, l'impression il que sera le fait. troisième match, ça sera KO si elle gagne pas celui-là. Donc Ah, je sais pas, mais c'est il joue beaucoup en défense et il a changé sa tactique. Hein. maintenant ou jamais. Et c'est moi qui l'ai coaché. Bien joué, ça. Je lui ai dit Ouais, ça, elle a... ça... en défense Faut qu'elle KO. attende, il faut qu'elle attende. On aurait dû attendre, là. Ouais, elle savait peut-être pas qu'il était aussi loin. Ouais, c'est bon, Ça ça va, elle est passe pas pas. reposée. 1-13, allez, il faut aller chercher le but à la fin, comme elle a fait. À 35 Oh, secondes de purée, la il peut être fin. pas mal. Ah, mais là, qu'est-ce que Purée, il tu peut veux? être pas mal. Oh, c'était bien joué. Ah. C'était bien Mais joué. il est comme ça, le ballon, il se met à décoller et puis il continue à fuser vers le haut et c'est chaud, quoi. Mais il y a une arnaque, il y a une arnaque, frère. Elle s'est entraînée au mutateur, là, c'est pas possible. Elle le Oh joue là, il bien, le est dedans, mutateur. Ah, elle est dedans, celui-là. elle est dedans, elle est dedans. Dommage. Mais c'est pas fini. C'est 48 pas secondes, fini, c'est ouais. encore là pour Ouais. remonter. Et de toute façon, il y aura le troisième match au cas où. Mais c'est pas fini. Mais KO, il aura fait comme Bart. Il aura bien sué pour s'il y arrive. C'était clair. Ah, il faut pas abandonner hein, jusqu'à la fin. Surtout que toi, t'avais Faut des qu'elle soit adversaires propulsée beaucoup en plus. attaque. T'avais des adversaires beaucoup plus durs que KO quand même. Ben, papa, il est. Bah, justement, on va pas dire qu'il est énervé, mais il joue bien. Hein. Il joue Valentin bien. aussi, hein. Je te dis que Valentin aussi, hein, en vrai. Je suis pas sûr qu'il Non, était à pas du son tout. meilleur niveau, ça c'est sûr, mais en vrai, il a un très très bon niveau 1v1. Ah, ça va être compliqué, là, qu'après KO, il va pas pouvoir la mettre. Non, non, non. Oh, C'est bah sûr. carrément. Il a paniqué, il a paniqué. Ouais, mais c'est pas Et facile de ça, savoir comment avec l'angle là. regarde là, elle peut rentrer celle-là. Allez, allez, c'est ta chance! Oh, bien Oh joué! là là! Et là! KO a plus le droit de faire une erreur! Plus le droit de prendre un but! La Secondes! pression, elle est de son côté! Le cœur qui bat! Le mental qui change Elle de a bien côté! joué. Elle a pris son temps, lui, il a sauté C'est par ça. précipitation. Et... C'est ça, c'est ça, il a paniqué. Et là. Attention, parce que kick-off, on a l'impression qu'elle est meilleure. Non, pas sur ce coup. Il faut qu'elle se dépêche.
Faut qu'elle se dépêche. Faut qu'elle se dépêche vraiment. Ah, ça va, c'est extra. Oh, oh non. Non. Ça, c'est fini. Ouais, par contre, là. Pouvoir sauter et la prendre. Ouais, c'est. Ok, Pour alors le kick-off l'instant, au centre, c'est attention. sauvé. Hein. Parce que normalement, il y perd les kick-offs, KO. Bah, comme tout à l'heure, ouais. Ok, Là, au on serait là. centre. C'est le dernier kick-off du match, en tout cas. Elle va tenter. On est bon. C'est pas! C'est pas! Il est éliminé! Éliminé, KO Gaming! Oh, qu'est-ce qu'il a Oh, le coup fait? dur! La demi-finale pour Darling Gator! C'est propre, Oh ça. là 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 là! Jamais en 1v1 normal il se passe ça! Jamais elle bat KO! Bah, Quoique. non. C'est le match qu'il faut voir, le match qu'on attend. Reptibilix, c'est normalement les deux meilleurs. On croit en toi, Repti! Tu peux le faire! Prends pas un 7 buts d'écart par contre, hein. Offre-nous des autres matchs. Lui aussi, il croit en lui, Repti. Il n'avait pas peur d'affronter Bidix. Au contraire, il est bien content de l'affronter. C'est ce qu'il voulait. Un vrai affrontement, un bon affrontement. Ah oui, j'ai remarqué qu'on entendait ma PlayStation aussi, mais ça, je peux pas y faire grand-chose. Mais je mettrai une musique, de toute façon, pendant le montage. Qui devrait normalement couvrir le bruit de la PlayStation. Bravo Bilix. Oh le beau tir, c'est bien, c'est fair play, Repti. Ah, il s'est loupé, peut-être en profiter pour Repti, allez! Oh, dommage, non, il n'a pas essayé d'envoyer une grosse bombe, dommage. Ah, quand Bilix il va se louper, il va falloir vraiment tenter d'en profiter à fond. Oh là 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 là! Oh, c'est méchant! Et moi, j'adore ça. Non, les explosions, ça joue bien, ça joue malin, mais. Ouais, il est beau celui-là en plus, hein. Et on laisse, on patiente. Allez, ne te prends pas un 7 but d'écart, Repti. On veut voir un deuxième match, hein. C'est dingue, tu mets un mutateur, mais ça le dérange pas plus que ça, lui dit que ça. Il reste un grand champion et tout ça. C'est waouh. C'est vrai qu'on pourrait faire ce qu'on veut pour l'instant. Pour le battre, ça va être compliqué. Bien joué, bien joué. Dommage que ça rentre pas, mais bien joué. Non, ça va. Il prend son temps. Il se précipite pas. Et il frappe à côté, mais c'était bien joué. Est-ce qu'il va aller la chercher? Oui, et voilà. Il fait ce que les autres ne font pas. Hein. Il prend vraiment son temps, il laisse, il feinte. Ah, bravo. Ah, on aurait tous été la chercher comme bêtement et lui, il a attendu. Pour l'instant, il est encore au-dessus. Hein. 3 buts en 2 minutes. Si t'arrives à résister ce match, que tu prends pas 7 buts d'écart, franchement, tu peux aller chercher les 2 autres matchs, Repti. Je crois encore en toi. Et ça prend son temps. D'un côté, c'est bien. Hein. D'un côté, c'est bien. Non, non, non! Il a pris les 4 buts déjà avant 2 minutes 30. Aïe, 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 aïe. Il va s'en vouloir parce que je suis sûr qu'il peut faire largement mieux. Ouais, mais là. Il peut faire mieux, Repti. Il peut faire mieux. Il a pris un 13-3, ils ont fait un match normal en 1v1, il a perdu 13-3, Repti. Et 13-3, c'est non, mais Repti! Ah là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, il faut juste essayer de rester dans la limite des 7 buts. Hein.
Mais là, c'est vraiment compliqué. Il y a encore plus de la moitié du match. La Repti. Mais c'est dingue parce que quand on voit que Repti a explosé Rhône, que Rhône il a pas fait une seule chose face à Repti, et là c'est Repti qui se fait totalement défoncer. C'est que c'est quand même dingue. On a évité un gars trop fort. Pour l'instant, allez, t'as deux buts. Repti. Comment faire? Comment faire pour résister? Trop, c'est trop. On se dirige tout droit vers un affrontement unique. Mais trop, c'est trop. Allez, va chercher ce putain de but qui te ferait du bien. Vraiment beaucoup de bien. Allez, 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 allez. Il est plus dedans, il est plus. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, dommage! Dommage, ça peut être hyper important! 1 minute 30 à tenir, ça va être compliqué. Donc il va falloir aller chercher un but hein, pour Repti. Il essaye, allez, on joue avec le temps. Allez, ça s'est loupé un petit peu, non! On peut pas profiter de ces erreurs. Clairement, le tournoi, c'était le gagnant du tournoi, il gagne 100 euros. Si vous battez Bilic, je crois que je vais vous donner 1000 euros, quoi. Clairement, je prends pas de risque en disant ça. Il y a un truc, là. Alors voilà, maintenant tu le sais, hein, tu dois aller chercher un but impérativement, sinon c'est fini. Non, quitte pas, t'avais 1 minute, Repti! Non, il fallait attendre la minute. Reviens, mon petit Repti. C'était pas 7 directement éliminés, fallait attendre la fin du match. Tu pouvais encore en mettre un. On va attendre, hein. Si tu peux, reviens et essaie de mettre ce but pour aller chercher un deuxième match, je sais pas. C'est pas la fin, après ça revient à 0-0, tu peux toujours faire quelque chose, il suffisait de marquer un but là, tu pouvais, t'avais 1 minute. Même ça, il le gère, même moi je la toucherai la balle, bah voilà. Bah tant pis alors du coup. Bon, 1-0 pour Bilix, c'est ça, est terminé, on attend la fin du match. Hein. Bilix, marque un but contre ton camp, qu'on puisse refaire un deuxième match. Non, je rigole, je rigole. Sept buts d'écart, un seul match, Bidix, bravo. Regardez comment Bidix il va avoir peur que de moi. Vous allez voir, regardez comment Bilix il trempe déjà, il sait que je vais le défoncer, Zuko, il sait que je vais le niquer Bilix en finale. Il sait qu'il a aucune chance, Bilix. Allez, Zouket. Don Bunzel, Zuko. Si j'aurais dû faire ça. Ok. Oh, dommage. Non, Tsuko! T'es plus mon copain! Bah non, pourquoi elle revient chez moi? Mais pourquoi? C'est quoi ce mutateur de merde? C'est qui a eu cette idée de mettre un mutateur pareil là? Mais Xuko, arrête de me... Et putain, je vais le défoncer, mon gars. Toi, je te trouve dans la rue, je te défonce.
Tu sais pas tirer, Xuko! T'es mauvais, Xuko! Attends, quand même. Hein. Voilà. Là, t'es mauvais. C'est qui le patron? C'est qui le boss, Zuko? Arrêtez de dire à Zuko que vous l'aimez, bande de... Soutenez-moi un peu! En plus, Benoît, t'es un traître! Non, pas comme ça, par contre. Ah, oh, putain, pourquoi j'ai pas été l'exploser? Mais non, pas comme ça, Zuko, mais essaie de marquer des vrais buts, hein. Tu vas me faire pleurer après. Regarde, c'est moche ça. Y a pas de gameplay là, Zuko. Allez, ça c'est bien. Oh, dommage. Mais pourquoi tu... Dégage avec ta balle là! Bah voilà! Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu fais le fou comme ça? Pourquoi tu fais le fou? Mec, même à Fortnite, même les sangliers sont plus forts que toi! Arrête de faire le fou, frère! Je croyais jouer contre Zuko, je savais pas jouer contre un bot! Mais non, mais pourquoi elle repart en arrière? Mais je comprends pas, c'est pas possible qu'elle fasse ça. Ok. Oh, des fois elle rentre celle-là. Avec Bart, elle rentrait. Ah, bah j'ai rien dit. J'ai rien dit. Pensez à vous d'abonner à la chaîne de Xuko. On va aller chercher les 3000 abonnés sur sa chaîne. Et la mienne aussi, je fais jamais de pub pour la mienne. Mais go la mienne? Tu vois, Xuko, je me suis pas entraîné du tout hein, aujourd'hui. Mais trop d'entraînement, c'est pas une bonne chose. Oh, il est long le match, encore 2 minutes 30, mais c'est impossible, c'est trop long, c'est... Non. Ok, parfait. Perfectis! Ça, c'est beau! Ah, en plus, c'était prévu. C'est chaud en vrai, vous avez raison de tenir trois matchs comme ça avec une pression pareille. C'est mon tournoi, j'ai rien à gagner, mais j'ai une pression, c'est incroyable en vrai. Je sais pas comment vous faites ceux qui font des trois matchs comme Valentin et Fay contre Darkou ou Bart et Papa, sérieux, c'est. C'est chaud. Oh! Oh, quel arrêt, bah tu me... D'où ça... putain, mec, Zuko. Merci, copain. Ok, un peu de chance pour moi, un peu moins pour Zuko. Ah. J'aurais peut-être dû y aller. Oh, c'est bon. C'est quoi ça? Ah, j'aurais peut-être dû y aller, mais j'ai trop. Je sais pas ce que je dois faire. Ok. Non, non, là, je suis en train de faire n'importe quoi. N'importe quoi.
c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, allié? Non. Ah oh, putain, c'est ma faute, c'est moi qui a fait de la merde. Bravo quand même, la frappe. Putain, pourquoi je fais une connerie pareille aussi? Je suis étonné. 166 km/h! Putain, la vache. Ça se voit vraiment que l'accélération de la balle, c'est insane. Ouais, c'est bon. C'est bon. Allez, Xuku, on va chercher le troisième match, hein. Le prochain, tu le gagnes. Et je veux pas de 3... Enfin, j'ai envie d'un troisième match parce que Bart, tant qu'il arrive, il faut. Mais je veux pas de troisième match parce que c'est tendu. Hein. C'est tendu. Hein. Moi, je vais faire une crise cardiaque. Hein. Alors, en plus de me retrouver SDF parce que je vous donne des sous, je vais faire une crise cardiaque, je vais crever. C'est bon, quoi. Laissez-moi tranquille. Allez, Xuku. Et là, il me faut un 7 buts d'écart. J'aurais pas dû la chercher là, j'aurais pas dû la chercher là. Ah, je pense qu'au contraire, c'est bien que je sois devant au score parce que sinon la pression c'est encore pire que ça. Ah, puis en plus, si je gagne, je joue directement après contre Bart. Bon, on n'en est pas encore là de toute façon. Ouais, ça m'arrange ce qui vient de se passer. Non, pas ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de chance quand même, Xuku. Là, c'est beaucoup trop haut. Peut-être pas si haut que ça en fait. Il la met ou pas? Mais non, je l'ai! Tu vois bien que je l'ai! Il compte pas celui-là. Pourquoi? Oh, frère. Allez, punis-le sur un kick-off de merde là. Eh oui, eh oui! Ça, c'est parce que je l'avais. Non, bah non, par contre, non. Bah, je suis pas d'accord. Bah, ça va être tendu, hein. Si je dis que t'es tendu, Natacha. Non, je suis pas d'accord, frère. Et arrête de m'envoyer des messages, sérieux. Tais-toi. T'es pas beau, Zuko, t'es pas beau! Mais t'es pas beau, Zuko, t'es pas beau du tout! Ah, GG, hein, GG. Même si c'est encore une fois de ma faute, je prouve, mais. GG. Suis beau. J'y crois pas comment je suis beau. Le mec parfait, zéro, Zuko. Ok. Oh, je la touque deux fois et il arrive à la bourse. Ok, oh, ça va dans le but direct. Mais what?
GG. GG. Marie, t'es belle, hein. Et bah, c'est droit, tu la tapes bien, bravo. C'est bien, c'est ce qu'on voulait, un troisième match. Mais c'est pas fini, encore 3 minutes 12, encore une fois, c'est très 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 long. Tout est jouable, il peut même me mettre un 7 buts d'écart, hein, pourquoi pas. Non, un peu trop haute. Ah, vas-y, je suis en train de perdre mes. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ok. Oh là là, cette chance. Mais j'ai un peu. J'ai. Dès que je l'ai tapé, je me suis dit, elle va être dans le but en vrai. Par contre, il a failli l'avoir, putain. Ouais, pas loin, pas loin. Mais dès que j'ai tapé, je me suis dit, celle-là. Ah, ok. Mais non, mais pourquoi je fais n'importe quoi? Je joue pas comme ça. Ah, dommage. Pas de stress, il y a point S et il y a but. C'est pas moi qui dois avoir le stress, c'est lui. Au moins, on revient. Faut mettre les 7 buts d'écart, ça va être compliqué. 2 minutes. Bravo. Trop risqué ce que je fais. Trop risqué ce que je fais. Bah voilà. Mais trop risqué. Mais je le sais déjà avant même de partir qu'il faut pas que je fasse ça. Je le sais. Je le sais. T'es beau parce que je te laisse être beau pour l'instant. Mais t'es plus beau que beau. T'es un fantôme, frère. T'es pas là sur le terrain, on te voit pas. Mais de quoi que c'est toi, c'est moi qui la touche là. Ah, ok. Ok. Et pourquoi ta manette elle se déconnecte pas contre moi? Pourquoi que contre Elbradou? Pourquoi il y a du favoritisme? Putain. Jolie démo, hein, t'as vu ce que j'ai voulu faire? Ah là ouais, c'est trop. Le pire c'est que je trouve que. Que c'est mes erreurs qui m'ont fait perdre. Regarde comment je vais gagner 7-6. Regarde comment je t'ai laissé la confiance. Maintenant, t'es mort. Mais de quoi que t'es mort, mais arrête de me toucher! Tu me touches pas! Mais de quoi t'es même pas. Tu me touches pas du tout! Mais non! Mais. What? Mais d'où il me faut respawn là aussi? Rocket, il t'aide, il t'aime! La première, tu me touches même pas dans mon écran! La deuxième, je peux rien faire! Oh.
Bah bah j'ai que je cours. Y aura le troisième. Il est nul. Il est nul et il le sait. Ton supplice, ta torture arrive. T'es battu d'avance. T'es mort. Tu pleures. Ta sueur s'est transformée en larmes. Wow. Wow. Bah non, mais elle revient même pas en ton côté alors que c'est moi qui la tape, c'est incroyable ça. Bah voilà. Comment elle peut revenir? Regarde-moi ça. Ici. Après ton placement il est bon, mais quand même. Faut que j'arrête d'être fair play, hein. Oh le bâtard. Dommage hein, parce que je pense que tu pouvais être battu. Oh la chance. Oh et puis j'arrive pas à la redresser. Bah non mais c'est quoi ça encore hein? C'est quoi cet effet? Ah d'accord. On tente un truc. Mais pourquoi elle va pas sur le côté? Enfin! Par contre là ouais je la voyais vraiment pas dedans. Je me disais qu'elle est trop haute et elle est redescendue. Pas mal. Bah allez, faut aller chercher l'overtime, on a le temps. Non bah je fais n'importe quoi. Finalement, il fallait peut-être un petit peu d'entraînement quand même. Ok. Ok, ça va être compliqué comme ça. Ah, bravo. Enfin, avec le temps, je me suis dit. Ouais. J'en ai marre de lui laisser l'opportunité à chaque fois d'être seul. J'ai voulu le tenter. On va un petit peu être plus agressif dans notre façon de jouer. Désolé, c'était pas prévu l'explosion. Mais non, mais toi c'est prévu, toi! Waouh! Il va me voir là, j'en étais sûr. Mais je le sais! Je le voyais, je l'entendais derrière moi. Et là, j'aurais dû aller l'exploser. Ouais, ben là, ça va être compliqué maintenant. J'aurais dû aller l'exploser. J'y pense pas assez.
Mais oui. Mais je devrais. Mais je t'aime de trop, tu vois, t'es trop beau, donc du coup, j'ai pas envie de t'exposer. Oh, GG. J'abandonnerai pas, hein. T'inquiète pas, je l'ai continué 2 minutes. Hein. Oh, mais elle part vraiment pas où que je veux. Hein. Le mec qui a choisi mutateur, il est chiant. Il fallait mettre un péton là-dedans. Mais arrête, Zuko, pute! Laisse-moi jouer! En vrai, limite, il a gagné pour ça. Pour les explosions que moi j'ai pas faites et que lui a fait. Regarde là, tu vois, je suis obligé de l'esquiver parce que je sais qu'il va exploser sinon. Du coup, ça te fait pas jouer où tu veux. Et ça rentrera pas. J'ai pas assez joué les explosions et tout ça. Merci mon ami. Bah finalement, c'était serré. J'ai trouvé, j'ai gagné un match. Et comme quoi, fallait pas me sous-estimer trop non plus. Non, vas-y. Non, mais il y a la balle là-bas. J'ai une tête de balle! Tu trouves que j'ai une tête de balle? Pourquoi tu vas me faire chier? On est obligé, hein. Ah, j'étais obligé d'essayer de toute façon. Non, mais je le sais, mais tu peux pas toujours réussir à me toucher. C'est pas possible. Mais non, ben ouais, c'est trop. Regarde, même là, j'arrive à pas exploser. Ah si, c'est bon. Ah, c'est ma vengeance d'explosion. GG à toi. C'est bien, j'économise. Non, je l'aime pas. Pour l'instant, j'ai plus pris ton avant que ton derrière. Regarde, pourquoi je peux l'exposer là? Mais pourquoi lui il me saute au-dessus? J'ai pas l'habitude d'exposer des gens, c'est pour ça. Ok, bien Zuko. Le prochain but, on met pas de but. Le premier qui s'explose, il a gagné. On a 11 secondes. Oh bah oui, bah si t'exploses même pas comme ça, franchement, hey, ta voiture c'est un tank. Tu l'as trouvé dans Fortnite ton truc ou quoi? Ouais, GG. Zuko en demi-finale contre Bart. Et c'est mérité, hein. Franchement c'est mérité. Il a été meilleur et tout ça. Je vais retirer les mutateurs. Les... Ouais. GG Zuko! Hop! Et voilà, on va en demi-finale. Zuko contre Bart. 50 euros pour le gagnant minimum. 100 s'ils arrivent à gagner cette finale. Et Bart est toujours pas là pour l'instant. Et t'es là, Bart! Favori, c'est dur de donner un favori dans ce match. Hein. Très très compliqué en vrai. Hein. Zuko, il... Zuko, il est prenable, mais le style de Bart, ouais, mais Zuko, il est chaud. Hein. C'est bon, il s'est chauffé là. Il a eu le temps de faire 3 petits matchs. Bart, faut qu'il se remette dans le jeu. Ça va être compliqué le premier match.
Mais d'un côté, voilà, il... Parce qu'il a l'air d'enchaîner, 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 comme Zuko est en train de faire. À 1-0 dès le début. Attention, pas du 7-0, hein, le 7-0, élimination de... Enfin, le 7 buts d'écart, élimination directe. C'est la fin du match, il y a 7 buts d'écart, mais pour l'instant, il y a égalisation. 9 secondes et déjà 1-1 entre Bart et Zuko. 50 euros en jeu, les gars. Alors, c'est le match de votre vie que vous devez sortir. Et puis Bart qui joue dans ce jeu de t'es beau, merci. Non, mais là, il n'y a que des kick-offs par contre. C'est quoi de cette demi-finale, les gars? Oh! Oh là 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 là. Bah ouais, bah là. Il va falloir peut-être un peu plus de nous donner du gameplay, hein. Il va falloir faire quelque chose de mieux. Alors que tu l'arrêtes, celle-là, Bart, qu'on puisse un petit peu jouer. Et pas que jouer que sur Kikov, bravo. Repousse-moi cette balle. Voilà. Ça va très 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 vite. Hein. Déjà 2-1 pour Zuko. Ouais. Il a joué l'explosion, mais ça va être compliqué. Ah, t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps, Bart, t'as le temps. Voilà, c'est bien joué. Tu sais que t'as pas la pression par Zuko. Bravo. Mais Zuko s'est amélioré au fur et à mesure du tournoi. Je trouvais que contre El Bradu, il était moins bon, il arrivait moins à gérer le mutateur. Et que là, même ouais, au fur et à mesure des matchs, il est de mieux en mieux. Donc il est chaud bouillant là. Hein. Il est chaud bouillant pour cette demi-finale. Bart, il adore le suspense. Hein. Il a perdu au premier tour le premier match. Au deuxième tour, il a perdu aussi le premier match. Bravo, c'était sûr. Et Bart qui arrive à esquiver, bravo. Mais du coup, but. Eh ouais. Eh ouais. Il fait la même. On change pas une stratégie qui gagne. Ah, pourtant, Bart, il a réussi à esquiver. Moi, j'aurais jamais réussi. 160 km/h. Eh ouais, je disais, Bart, il a perdu les premiers matchs à chaque fois. Mais ensuite il enchaîne avec deux victoires et deux belles victoires, que ce soit contre Valentin ou machin. Mais attention, attention qu'il y ait un deuxième match, parce que 3 buts d'écart déjà après 1 minute 30, beaucoup de kick-off, ça peut sentir très mauvais pour Bart. Et d'ailleurs, du coup, si Bart venait à gagner le tournoi, alors énervé le papa, il gagnerait 5 euros pour avoir été éliminé par le champion dès le premier tour. Zuko lui l'a éliminé El Bradu, donc s'il gagne le tournoi, c'est El Bradu qui irait chercher les 5 euros. Mais on n'en est pas encore à là parce qu'on n'est qu'en demi-finale et elle va rentrer. Et elle va rentrer. Et là, pour Bart, c'est compliqué en vrai. C'est très 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 compliqué. Il le sait, ça va être compliqué d'aller gagner ce match. Il va juste falloir tenir et pas aller chercher 7 buts de retard. Il reste 3 minutes, c'est très 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 long. Là, Bart, il n'était pas encore prêt. Hein. Mais bravo, parce qu'il y en a plein qui disaient que Zuko, il serait très 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 fort. Je me suis dit, il est possible à vaincre. Et finalement, il est en train de montrer que... Il nous laisse croire dans son jeu que c'est possible, qu'on peut faire quelque chose, et pourtant, il est performant, il est parfait pour l'instant. Et là, Bart, il y a la pression. Hein. Après, dans tous les cas, hein, le perdant jouera la petite finale pour 20 euros. Donc, même si Bart venait à perdre, ça serait pas fini pour lui le tournoi, et on le retrouverait plus tard. Pour un petit gain. Ouais, bravo Zuko. Ce qui est dommage, c'est que si Bart venait à perdre et que Darling Gator venait à perdre contre Big X, alors on aurait la finale que beaucoup avaient prévue. Finalement, même avec le mutateur, les favoris n'auraient pas trop changé. C'était Zuko et...
Et Bilix, même s'il y avait Reptile qui était vraiment très très fort, mais qui a affronté Bilix avant. Bart qui a sorti Valentin grâce au kick-off notamment. Et là pourtant, contre Zuko, il gagne beaucoup moins de kick-off. Valentin, je le voyais aussi comme un des favoris pour le tournoi parce que. Ah bravo, parce que celle-là, les galères avec l'effet qu'il y a. Et c'est très important. 4 buts d'écart déjà. Bart est un petit peu revenu, c'est bien. Et s'il revient là, c'est bien. C'est bien. Il va aller au moins chercher le deuxième match, Bart. 3 buts d'écart, même si on peut encore mettre 7 buts d'écart, mais ça va mieux. Il y avait quand même un gros suspense à ce niveau-là. Et Bart qui revient 150 km/h. On l'a dit, là, on l'a toujours répété, la balle, elle accélère trop trop vite d'un seul coup. Et là, c'est Bart qui gagne en plus le kick-off. Ça va lui permettre de souffler. Et pourquoi pas d'aller chercher ses 3 buts pour une incroyable remontada. On n'a jamais eu quelqu'un qui gagne le premier match, qui perd le deuxième et qui gagne le troisième. Au cas où. Celui qui gagne le deuxième a toujours été qualifié à 100% des matchs. Que ce soit un 2-0 ou après. Enfin, sauf pour Bilix, hein, du coup, parce qu'il a fait qu'un seul match à chaque fois. Il n'a pas besoin de deuxième, lui. Et bravo, Xuko. Bravo. On est plus proche des 7 buts d'écart que du retour de Bart. 1 minute 38, c'est long, très long, peut-être trop long pour Bart. Aïe. Aïe, elle rentrera pas, heureusement. Aïe, il faut vraiment que ça patiente, qu'il joue avec le temps. Oh, il a pris la même que moi. Exactement la même que moi. Tu crois qu'elle va aller tout droite, mais elle fait un petit décalage à la fin à cause du mutateur et tu te prends le but. On croirait que c'est un arrêt facile ou un arrêt largement faisable, mais j'ai pris la même, exactement la même. Et je le sais, c'est spécial, c'est bizarre. En tout cas, c'est un but très important qui permet sûrement à Bart de se dire, c'est foutu pour ce match, mais il faut pas que je prenne les 7 buts. Donc faut qu'il joue défense, faut qu'il joue, je sais pas, safe, qu'il perde du temps. Qu'il essaie de patienter au maximum parce que 5 buts d'écart. Hein. Et 6 maintenant, ouais. Bart, tu ne reviendras pas dans ce match. Il faut que t'arrives, que tu réussisses à faire moins de 7 buts. Allez, 1 minute à tenir, Bart. Ça va être compliqué pas de prendre de but contre Zuko. Il va falloir peut-être que tu en marques un. C'est bon, celui-là, il n'a pas réussi. Bravo, quel arrêt! Ça, c'est l'arrêt, peut-être, du deuxième match qu'il faut. Il n'avait pas intérêt à se le prendre. Il va essayer de le mettre. Grosse pression, 6 buts d'écart déjà entre Zuko et Bart. Si vous connaissez les règles du tournoi, vous le savez, c'est très grosse, grosse pression, plus qu'on le croit. Non, on sait que Bart ne reviendra pas dans ce match. Mais s'il perd avec plus que 7 buts. C'est fini! Et oui, ça rentre et ça saute peut-être! Il va le chercher, même s'il reste encore 33 secondes. Attention quand même, Bart! Et c'est pour ça qu'il faut se donner à fond et pas abandonner. 151 km/h encore la balle dans le but, putain! Trente secondes de pression pour Bart. Et Zuko, il va se faire plaisir. S'il peut aller chercher ses 7 buts, on l'a vu, il ira. Heureusement que Bart sort l'arrêt tout à l'heure et bravo. Ah! Alors je pense qu'elle va dedans hein, s'il la touche pas, Bart. Alors c'est peut-être un petit peu dommage, mais voilà, c'est bon, il a fait perdre du temps. À moins de prendre un but tout de suite et de prendre un but sur kick-off. Ça passe. Attention quand même. Non, c'est bon. C'est bon, il y aura un deuxième match entre Bart et Zuko. Et donc Bart, il peut revenir. Il l'a fait lors du premier affrontement, du deuxième également. Ça a été chaud, mais ça passe! Que trépasse si je faiblis! Mais Bart n'a pas faibli. Ah merde, vous m'êtes observé. Chiant d'être malade comme ça. Et bravo ce kick-off! Bravo! Toujours bien d'aller chercher un but dès la première seconde. Je crois que c'est le but le plus rapide, hein. Même c'est sûr. On a eu des buts assez rapides dans le tournoi, mais celui-là, une seconde. Si Bart, tu continues comme ça, tu auras 300 buts à la fin du match, hein. Vu qu'il reste, il y a 300 secondes.
Mais là, je sais pas pourquoi, mais le 300 but, j'y crois pas trop. En tout cas, maintenant c'est trop tard, vu qu'on a épuisé 11 secondes. Non, non, Bart, non, oh, il peut la louper encore, dommage, dommage, dommage. Ça va vraiment être compliqué, hein. Vraiment être compliqué en vrai. Hein. Bien joué. Encore appel, il y aura bien un tournoi pareil en 2v2. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en 2v2. Il suffit d'aller sur le Discord du groupe. Et ça sera pour le week-end du 30 avril et 1er mai. C'est validé, hein. Si on a les 32 joueurs qui peuvent participer, alors on fera du 2v2. Pas besoin de trouver un partenaire de 2v2. C'est un tirage au sort. Vous venez tout seul. Vous venez avec votre pote si vous voulez, mais vous ne serez pas forcément avec lui. Vous vous inscrivez, vous pouvez gagner 100 € comme le vainqueur de ce tournoi 1v1. Donc je vous y invite dès maintenant, si vous pensez que vous êtes libre, le week-end du 30 avril et 1er mai. C'est un tournoi universel, tous les rangs peuvent participer. Il suffit d'être BG pour y être. Pas comme Zuko. Ah oui, parce que les rouquins, ils ont pas le droit de participer. Hein. Ils ont pas d'âme apparemment, donc. Je rigole. Enfin, s'il y a un mec qui est rouquin, il va dire que je peux pas participer. Allez, 1-1 toujours entre Bart et Zuko. Mais le premier match. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus serré. Bart, il peut encore aller chercher. Il peut refaire la même qu'il a fait lors de ses affrontements précédents. Et j'espère parce que d'un côté, Zuko, il a gagné deux matchs à zéro contre Elbradou. S'il gagne deux matchs à zéro contre Bart, ben, il n'y aura qu'un mec qui aura piqué un match. Son affrontement en quart de finale face au grand Don Bunzel, qui a gagné le premier match contre Zuko. Donc, comme quoi, ce Don Bunzel, il est incroyable. Mais il a perdu parce qu'il voulait laisser gagner Zuko, évidemment. Bien joué. On connaît un Bart et sa défense. Zuko et sa patience. Ouais, participer au tournoi de 2v2, ça serait une bonne chose parce qu'il y a un gros gain à gagner, mais aussi si vous avez une chaîne YouTube, une petite pub pour votre chaîne YouTube, ça peut toujours être ça. Monter un peu vos abonnés. Et Bart, c'est dommage, ça passe à côté, c'est très important. Ah, mon petit zouzou. Que une seule condition pour participer au tournoi, c'est Discord. Et c'est d'être là, la date évidemment. Bravo Bart, ça fait 2-1. Comme quoi on peut perdre 9-4 et aller chercher quand même cette finale. On rappelle 50 € à gagner pour celui qui gagne ce match. Au minimum 50 €. Ah, c'est méchant. C'est méchant, c'est méchant. Mais ça va dedans. Ah, c'est totalement différent en vrai. Parce que Bart a gagné presque tous ses kick-offs depuis le début du tournoi. Et contre Zuko, il fait que de les perdre. Hein. C'est là où il avait l'avantage sur ses autres adversaires. Ah, j'ai lagué là. J'ai plus d'écran, j'ai plus rien. Heureusement, on est en live. Ah, c'est bon, je suis de retour. Et du coup, j'ai loupé un peu de match, dommage. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai loupé? Parce que, alors, ça, du coup, c'est. C'est un peu chiant, but de Bart. Je sais pas si eux ils ont bugué aussi. Mmh.
Bon, on est de retour. Du coup, barre 3-2, c'est ça, ouais. Fait chier. C'est des choses qui arrivent. Bon, apparemment, ils ont pas bugué, eux, donc ça va. Et il reste 1 minute. Et ce serait dingue de se dire que finalement, tout se jouait encore une fois dans un troisième match. Après une domination pourtant de Zuko. On va s'enflammer avec Bart. Attention celle-là, on sait qu'elle rentre. Avec ce mutateur. Alors Zuko, il a déjà été grand champion. Hein. Bart, lui, il n'en est pas encore à là. Hein. Et quel arrêt de Zuko qui donne encore l'opportunité d'aller égaliser, chercher l'overtime. Ouais. Il va falloir y aller. Oh non, mais Bart, pourquoi tu... Pourquoi tu te défends pas là-dessus, Bart? Tu le savais. Tu l'as répété plusieurs fois. Soit tu y vas très très vite, soit tu vas en défense. Tu vas pas au milieu, tu hésites pas. Mais l'hésitation qui coûte que ça fait 3-3 et que ça fait tout proche de l'overtime. Et encore, en plus, tu perds tes kick-offs normalement contre Xuko. Bah voilà. Tu perds tes kick-offs et c'est peut-être la fin. Oh, il le loupait de Xuko! Il pouvait le tuer, aller chercher la finale! C'était la frappe des 50 euros, Xuko! Pourquoi tu loupes ça? Mais le problème, c'est qu'il y aura un autre kick-off pour l'overtime. Il va falloir subir le kick-off pour Bart. Résister à ce kick-off pour aller jouer vraiment le match! Il a changé, je crois qu'il a fait un écart sur le côté gauche du coup pour essayer de changer sa façon de faire le kick-off. Et du coup, ça joue comme ça. Maintenant, il n'y aura plus de kick-off. Et il y aura un Bart avec une pression qui va aller chercher le but! Un peu trop compliqué par contre, il faut qu'il revienne très 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 vite, il n'a pas de boost. Xuko il le sait, c'est fini! C'est fini! Xuko en finale du tournoi, c'est fini! Et élimination pour Bart! Mais on le reverra pour la petite finale face à Darlingator ou Bilix. Même si on a une idée de qui va gagner entre Darlingator et Bilix. Bravo Xuko, t'es en finale, 50 euros validés pour toi. Voilà, Bilix, Bilix, voilà, c'est ça qui est beau. Darlingator, Bilix, demi-finale. 50 euros à la clé pour le vainqueur. Ouais, bah en plus, s'il gagne les kick-offs comme ça va aller vite le 7-0. Qu'est-ce que tu veux que je commente un truc pareil? Il y a une différence de niveau entre quelqu'un qui est platine 1 et quelqu'un qui est grand champion limite SSL, quoi. Et encore, apparemment, il a déjà été SSL. Le perdant affronte donc Bart pour la troisième place. Le gagnant affronte Zuko en finale. Voilà. 2-0 en 10-13 secondes. Elle a créé des surprises, mais là, à un moment, il faut arrêter. Bilix, il va nous sortir encore un 7 buts d'écart. Ça va être long ce match. Ça va être long. Je marque déjà sur le Discord le score. Hein. On le connaît déjà. Voilà, bravo. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, mais elle a créé deux grosses surprises. Elle a battu des gens qui étaient diamants. Du coup, elle se retrouve ici. Et du coup, on n'a pas trop de suspense encore. Mais on arrive bientôt à la finale. J'ai déjà posté les affrontements finaux et tout ça. Bilix versus Xuko. Voilà. Franchement, si elle prend pas 7 buts d'écart, c'est que...
C'est qu'il y a un problème. Hein. C'est que là, Prime et Repti, les gars, vous êtes pas ouf. Hein. Même si ça n'a rien à voir. Zéro, allez, va lui foutre le 7, c'est fini. Là là. Mais arrête, Xuko, arrête. La pauvre. Allez, il sait tellement tout faire. Mais oui. Forcément qu'il sort le 7-0, enfin le 7 buts d'écart dans tous les cas. Forcément, Bilix, on rappelle, premier match 9-0. Le deuxième match, il a sorti un 7-0, mais il restait encore 1 minute de jeu avant un rage quit. Du coup, il pouvait faire encore beaucoup mieux. Ah, contre son camp? Avec Zuko, je sais pas comment tu vas faire hein, pour le battre. Hein. Ouais, non, non, Bilix il va. Après, c'est contre Xuko la finale, la S-Play. Hein. Dans moins d'une heure. Parce que, à mon avis, celui-là. Enfin, à moins que Bilix il veuille pas gagner avec 7 buts d'avance. Mais à mon avis, celui-là, il va se finir assez vite. Ensuite, on aura la petite finale entre Barthe et Darlingator. Et ensuite, on aura la grande finale de Xuko contre Bilix. Donc voilà, Bilix il assure déjà les 50 euros là en battant Darlingator. Et effectivement, Prime qui peut aussi gagner de l'argent. Tout comme ben El Bradou, du coup, El Bradou. Et ça, c'est bien parce que El Bradou, on l'aimait bien. Ouais, t'as vu, c'est la petite finale, c'est écrit en avance. Non, mais. En même temps, on est d'accord, il n'y a aucun suspense. Qu'est-ce que tu veux? Ah, par contre, Bilix, vas-y, hein, va chercher le 7 buts d'écart. En plus, Darlingator, elle rejoue juste après contre Barthe. La fatigue pas, vas-y. À mon avis, même Barthes, il est largement favori face à Darlingator. Donc, à mon avis, à un beau 18h30, on peut commencer la finale entre Bilix et Xuko. Il n'y a que 5 buts d'écart, hein, pourquoi pas, mais. Allez, Bilix, on veut que tu nous mettes les 7 buts. N'empêche que. Bah non, j'avais dit, on n'empêche que c'est la seule à t'avoir marqué un but, mais bon. Tu l'as un peu mis contre ton camp exprès, quoi. Elle n'a pas fait grand-chose pour. Hein. Allez, encore, Bilix. Ça sert à rien d'avoir un deuxième affrontement. On a essayé avec le mutateur de le déconcentrer, de le perturber, de faire quelque chose, mais peu importe. Peu importe. Ah, dommage. Lui fait pas subir un calvaire encore plus, mais lui se bute dans la dernière minute là, Bilix. On compte sur toi. N'empêche qu'il y a des platines 1, platine 2, on va dire, et. Et elle mérite largement mieux. Large mieux. Voilà, c'est bien. Maintenant, on prend pas de but. C'est fini. Ça fait un zéro.
Merde, j'ai oublié de marquer. C'est bon, comme ça c'est fait. C'est la fin. 9-1, élimination directe, la règle des 7 buts d'écart. Bravo, Bilixt. 3. Allez, Bart, contre Darlingator, 20 euros à gagner pour le gagnant et 1-0. Et 1-0. Alors là, tout est possible. Hein. Darlingator, elle est capable d'aller chercher avec un peu de chance Bart. Mais elle est capable autant de se prendre 7 buts sur le premier match. Voilà, là, l'engagement revenant. Donc ça peut aller très très vite, même si là il y a 1-1. Égalisation, c'est bien. Ça peut aller très très vite. Et juste après, donc vers 18h30, la finale entre Zuko et Bilix. Joli! Rrr. Le Bart, il a quand même la pression, il le sait. Oh là, c'est dommage. Ça, c'est les moves de, effectivement, Platine 1. Des fois, ça peut faire des erreurs comme ça, mais c'est dommage. Mais il l'a vu jouer contre Kabu Gaming. Il l'a vu très, très bien jouer. Même contre Fanou, d'ailleurs. Donc, il sait que c'est pas gagné d'avance, Bart. C'est le grand favori de ce match. Mais gagné d'avance, pas sûr. Fais attention quand même, concentre-toi. Même si là, tous les kick-offs, ils sont pour Bart. On le sait, c'était sa spécialité. Sauf contre Xuko. Mais sinon, ouais, les kick-offs dans ce tournoi, vraiment, Bart, ça a été le meilleur à ce niveau-là. Ah, dommage! Ah, et puis là, il fait les arrêts. Ça aussi, c'est sa spécialité, les arrêts. Non, peut-être un petit peu trop à gauche, Cam-Cam. Tu vas peut-être avoir du mal à revenir. Non, c'est bon, la balle ressort et Bart qui est là. Allez. Ouais. Toujours hein, les deux chaînes YouTube, ECT Bart Gaming pour la chaîne de Bart, pour Darlingator, bah Darlingator tout simplement. Vous pouvez vous abonner. Bart c'est un grand joueur de Rocket League Sideswap aussi. Darlingator c'est plutôt des jeux avec histoire, hein, pas trop compétitif. Est-ce qu'il y aura les 7... Non, ah, non, pas d'accord. Pas d'accord. On laisse les lacets défaits. Ça donne une chance aux autres. Ah, Bart qui se loupe. Mets-les bien tes lacets, Xuko, pour la finale. Mets-les bien. Parce qu'on compte vraiment sur toi. J'aimerais bien me distribuer un petit peu à... À El Bradou, si tu gagnes, donc go 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 Xuko, hein. Bien joué Bart, 4-1, et il reste 3 minutes 20, effectivement, Darlingator, ça va être compliqué, mais surtout, est-ce que elle va pouvoir tenir les 7 buts? Allez, 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 de derrière, non, aïe, 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 aïe. J'aurais bien voulu affronter Bart, moi, en tout cas. Je pense que je partais favori contre Bart. Même si, attention, faut jamais trop se vanter, ni... Et que je sais que c'est un énorme joueur, mais j'aurais bien voulu jouer contre lui. Et pour ça, j'aurais dû battre Zuko, chose qui n'a pas été faite. Mais j'ai quand même battu Zuko une fois. Donc je suis content. Bravo, Kam Kam.
Tu reviens, t'empêches les 7 buts d'écart. Et tu remets un peu de suspense parce qu'en vrai, c'est possible. 2 minutes 45, c'est encore long. Elle n'est pas finie. Ouais, c'est ça, SP. Je peux pas être encore arrogant. Fais chier. Mais j'essaie. Y a moyen. Je suis censé être C2 quand même. Hein. Enfin, je suis C2 en 2v2. Et en jouant que avec des randoms. La plupart du temps. À part KO. Et vu KO, il est nul. Qui perd contre Darlingator. Ah, Bart. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! C'est pas facile de s'en sortir sur celle-là. Du haut de sa voiture et ça passe toujours pas! C'est dommage, j'aurais fait 4-3. Et là, c'est peut-être punitif parce que c'est peut-être dedans. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Tu peux avoir 4-3 et finalement, je te retrouve avec 5-2 avec une contre-attaque comme ça. C'est compliqué en vrai. Moi, je suis C1 div2, moi. Putain, mais j'ai redescendu en même temps, je suis presque plus, mais quand même. Peut-être pas abusé. Non, mais si je joue, je suis largement C2. Ça va, c'est pas trop compliqué encore. Alors, pour BO5, c'est possible, mais ça commence à faire long, Néoz. Par contre, pour du 3S, non, ça sera jamais. Pas de ma part, les tournois 3S. Tout simplement parce que déjà, il faudrait réunir tellement de monde pour faire un tournoi 3S. Tellement de monde en même temps, donc ça serait compliqué de trouver tous les joueurs déjà. D'ailleurs, à l'origine, je voulais faire un tournoi 2v2, c'était pas du 1v1. Mais c'est que c'était un peu plus compliqué de trouver tout ça. Bilix, il faut que tu perdes, Bilix. Il faut que tu perdes cette finale. On a un copain, le bras doux, là. Il faut qu'il gagne les 5 euros, bravo. Allez Bart, laisse-moi rentrer cette balle. Non, mais par contre, il n'y a que 4 buts d'écart. On va aller chercher un deuxième match pour Darlingator. Ah. Ça va, ça rentre pas. Tu vois, KO, c'était ta place normalement ici en demi-finale contre Bart. En petite finale contre Bart plutôt. Et Darlingator. Ah, oh, c'est tellement dommage encore. C'est tellement dommage. Bon, c'est pas comme s'il y avait de la pression et qu'il y avait un but d'écart, mais bon. Oh, j'ai rien dit, je suis con. J'étais même plus en train de suivre le match, j'étais contre son camp. Donc, non, c'est pas dommage. Et voilà, je lis vos commentaires. Je sais que là, il n'y a plus trop de suspense. À moins de mettre deux kick-off et de finir la petite finale là-dessus, mais sinon. Si Bilix gagne, c'est Prime qui gagne les 5 euros du tournoi. Alors on l'aime bien Prime, hein. Mais Elbradou, on aurait bien aimé aussi, quoi. Il a été cool tout le long avec nous. Il est venu. Non, Cam Cam, vas-y, non, pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu vas chercher l'autre boost? Non, et là il le sait qu'il a plus qu'un but à mettre. Surtout pas ces erreurs. Ah, c'est 185 km/h par contre. Mais surtout pas ce genre d'erreur. Mais oui, t'as pas le temps. Allez, Bart, il va pas s'empêcher de le faire, les 7 buts d'écart, s'il peut. Parce qu'encore une fois, il sait que Darlingator est capable. Et là, non, ça passera pas. Il faut qu'il y aille chercher, qu'il tente le tout pour le tout, Bart. Vraiment, à fond, faut qu'il y aille la mettre, celle-là. C'est important. Si, faut qu'il y aille la chercher, Bart. 7 buts ou pas, sur le buzzer, putain, c'est fait, c'est fini. C'est fini, c'est 20 euros pour Bart. Il n'y aura pas de deuxième match. Darlingator est éliminé. La finale tout de suite entre Xuko et Bilix. Bart sur le buzzer beater. 20 euros pour toi, bravo. Tu finis troisième du tournoi, frérot. C'est la finale, Et au cas Bilix et où, Xuko. hop, muté, tout le monde est muté. Tout le monde est prêt. Xuko, Bilix, grande finale.
T'es beau? Ah oui, il est beau! Avec Zouga gagne le premier kick-off. Et non. Oh là, il veut l'exposer aussi. Allez, pas dedans, allez, pas dedans pour BDX. 50 euros pour les deux minimum. Le gagnant, lui, aura 100. Un beau x2. Sauf si c'est BDX, on lui donne rien parce qu'on l'aime pas. Ah si, on l'aime, donc ça va. Non, c'est Zuko, on lui donne rien parce qu'il m'a éliminé. Il m'a éliminé. Et voilà, l'explosion de Zuko, évidemment. Concentre-toi, Zuko, concentre-toi. C'est dingue parce que les gens l'avaient deviné, hein, cette finale. Avaient deviné que Zuko serait celui qui pourrait faire plus mal à Pilix. Mais sa stratégie, c'est vraiment un bâtard et un génie en même temps. Allez, allez, allez. Oh, dommage. Assez dommage. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Allez, mon Zukate. Oh là là, mais c'est... Oh là 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 là. Et ça fait 1-0 pour Zuko. 1-0 pour Zuko. Eh, vous avez vu les gens, il y a du suspense pour cette finale. Zuko, mon gars, il est trop fort pour exploser les gens. C'est où? C'est chiant. Et voilà comment déconcentrer Bilix. C'est pas le mutateur, c'est les explosions. Eh oui. Ah, dommage, attention, pas d'erreur, pas d'erreur, Zuko, pas d'erreur. Et Bilix, il va aller chercher, il va avoir enfin la pression pour la première fois de ce tournoi. Et là, il n'y aura pas de 7-0. Hein. On va assister à plusieurs bons matchs. Alors, on rappelle que jamais, quand il y a un troisième match, c'est toujours, enfin, ça a toujours été le troisième match, celui qui a gagné le deuxième match, qui le remporte. Donc, si Zuko venait à gagner et que Bilix gagnait le deuxième, la logique serait que Bilix gagne le troisième aussi. Mais on en est vraiment, vraiment pas encore à là. C'est 3 minutes, il reste un peu plus de 3 minutes. Et il n'y a que 1-0 pour Zuko. Il a toujours pas pris de but par Bilix. Alors qu'on sait que ses adversaires en 2 minutes, ils en avaient pris énormément. Dommage, là il a tenté encore une fois le bump. Bilix, Zuko, est-ce qu'il va pouvoir la boire? Et c'est dommage, ça fait 1-1. C'est dommage parce que je pense qu'il avait le talent pour aller chercher cette balle. Et qu'il faut pas laisser des choses comme ça à Bilix. Notamment quand tu gagnes 1-0, quand tu peux aller chercher un premier match. Allez, celle-là. Et si tu peux exploser, non il... Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a essayé de... Il était derrière, Bilix. Oh, il a peut-être juste à patienter, Zuko. C'est bien, c'est bien. Hey, je le voyais vraiment pas si fort, hein, Zuko. Bravo, bravo, ça touche. Non, ça va de l'autre côté. Mais alors, je peux être fier de mon tournoi moi-même, d'ailleurs. Parce que j'ai quand même fait bien douter que Zuko. Alors, quand je vois ce qu'il est capable de faire. Bien joué. 2 minutes, ça va être long. Allez. Et il a marqué son premier but grâce à une explosion seulement. Ouais, ça passe pas du tout. Et au contraire, Bilix va très très vite à se remettre derrière. C'est pour ça qu'on aime ce genre de tournoi. Pour des affrontements comme ça, dommage, ça passe pas. Zuko, je pense qu'il va falloir que tu ailles la chercher. Sinon ça va être compliqué, non, c'est bon. Ah. Sans explosion cette fois, Zuko est devant au score. Qui l'eût cru? C'est la chance de votre vie, les gars. 100 euros. Et Zuko qui peut gagner 3-1. Et Zuko qui gagne 3-1. Je vous jure que j'aurais pas misé sur Zuko pour gagner ce tournoi. Après, je ne l'ai pas vu jouer beaucoup en... Enfin, jamais vu jouer en 1v1. Mais franchement,
Franchement, et là, ça a encore devenu plus intéressant. Parce que Bilic, c'est pour moi toujours le favori pour aller chercher les deux autres matchs. Mais il va avoir une grosse pression. Enfin, on fout la pression à Bilic. Et non, il n'y a pas de jeu fait exprès de perdre, Bilic, c'est de ça. Là, il le joue en vrai, hein, c'est comme ça. Le mutateur Zuko, je le trouve, de toute façon, c'est celui qui a mieux géré mutateur par la suite. Il le tente sa préparation contre Elbradou, mais après, il a vraiment géré bien le mutateur. Ouais. Il faut dire aussi, hein, quand même. C'est leur troisième affrontement aujourd'hui, un hein, quart de finale, demi-finale et finale. Mais Zuko, il a joué trois matchs contre moi, deux matchs contre Barthes. Alors que Bilix, donc ça fait cinq matchs en tout. Alors que Bilix, lui, avait joué que deux matchs aujourd'hui. Donc d'un côté, il pourrait avoir la fatigue de Zuko, ça commence à être long, chiant. Ou alors, bah, au contraire, la préparation des cinq matchs fait qu'il s'est beaucoup plus entraîné que Bilix. Donc je sais pas. J'aurais préféré venir en finale quand même avec deux matchs joués avant ce match-là. Au lieu de 5. Bravo. 3-2, c'est pas fini. C'est pas fini. Et très important ce kick-off. Et on en a eu des buts à la fin, hein, dans ce tournoi. On en a eu énormément des buts dans les 5 dernières secondes. Zuko, s'il laisse passer cette chance-là, ça va être très compliqué pour la suite. Il faut qu'il explose. Il a essayé de le bump. Je crois qu'il a même bump. Et il peut s'en sortir, Zuko. Et oui! Toujours sa stratégie. Je le touche, je suis full la pression. Et... Attention, hein, c'est un... Attention. Claque là, il veut la claquer, voilà. Il essaye de claquer. Il l'a claqué. 1-0 pour Zuko. 1-0 pour Zuko, on va les laisser, hein. Tranquille, une minute et on repartira pour le deuxième match. Alors attention, parce qu'il n'y a pas forcément un troisième match. Hein. Il peut y avoir 7 buts d'écart donnés par Bilix. Éliminer Zuko directement. Mais là... Soyez beau, soyez fort, soyez le meilleur. Je suis sûr que les participants du tournoi auraient presque tous, voire tous, parié sur une victoire de Bilix. Alors Bilix n'a pas encore perdu, mais attention. Et on s'est même posé la question avant le début du match, est-ce que Zuko va prendre 7 buts d'écart? Pas du tout, il a gagné. Allez, Zuko, fais-moi le plaisir de gagner ce match. De faire un 2-0 et je serai le seul joueur du tournoi qui aura gagné un match contre toi. Ce serait une belle fierté pour moi, Zuko. Alors, va le chercher. C'est pas pour ça que je joue mieux que Bilix, hein, vous inquiétez pas. C'est pas parce que j'aurais gagné un match contre Zuko et Bilix, non, si c'était le cas, que j'étais meilleur que Bilix, loin de là. Hein. Là, y a un niveau d'écart que je pourrais jamais atteindre. Hein. Et y a but pour Bilix. Ah, elles sont difficiles celles-là, mais il la tire bien. Et encore une fois, la puissance de la balle. Bravo. Bravo, elle part bien du bon côté. Et ça fait un zéro. Ah, et ça fait 2-0. Attention quand même, Xuko. Toujours la règle des 7 buts. Là, c'est ton erreur. Avec ses petites ailes, le petit ange. Et il va refaire une belle frappe. Non, c'est bon, c'est loin. Faut pas se déconcentrer. Pas pour un match qui vaut 50 euros, du coup, le match. En plus des 50 déjà gagnés pour les deux joueurs. Tu dois tout donner dans un match comme ça. Une victoire, 50 euros en plus. Ah non, Bilix, faut pas la chercher celle-là. À moins que tu fasses ça, bah oui. Bah oui, c'est sûr. Par contre, non, il n'a pas pu concrétiser, c'est dommage. La stratégie d'explosion, sérieux, elle a vraiment fait mal dans ce tournoi. Et si je devais noter pour moi le plus beau match qu'on a eu,
J'ai bien envie de dire. J'hésite entre deux quand même. Parce qu'il était magnifique le match 3 entre Bart et Papa. Avec notamment les saves à la fin de Bart. Mais celui de Valentin et Darko, le troisième match était aussi incroyable. À 10 secondes de la fin, Valentin il gagne. Finalement, égalisation de Darko. Et on se retrouve avec une prolongation où Valentin il a des occasions mais exceptionnelles. Et il arrive à les louper. Et ils étaient très malins, très très patients tous les deux. Ils jouaient très très bien. Je vais quand même dire que c'est le plus beau match pour moi, c'est quand même, ça reste Bart et Papa au troisième match. Papa, pour moi, il a totalement dominé beaucoup, et ça notamment à la fin, où il marque à la fin pour égaliser. Et Bart, son travail défensif était juste incroyable. Et plusieurs fois, on s'est dit, ah c'est bon, c'est fini, Papa, il la met. Toutes ses opportunités, finalement, la contre-attaque de Bart qui permet à Bart de gagner. Allez, 4-0, ça fait mal. Attention parce qu'on n'est même pas à la moitié. Et Bilix, il peut. Bilix, il peut mettre les 7 buts. Ah, Xuko va nous chercher au moins un troisième match. C'est bien parce que voilà, quand les matchs sont serrés, bah, tu te dis, lui, il peut gagner, lui, il peut gagner. Quand ils sont pas serrés, bah, tu as toujours peur de ces 7 buts. Donc il y a toujours du suspense, même à 4-0. On n'aurait pas fait cette règle, il n'y aurait pas de suspense à 4-0. On pensait que Bilix gagnerait ce match-là. Mais là, la question, c'est est-ce qu'il la gagne avec ou sans les 7 buts d'écart? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire on veut pas de 7 buts d'écart. Et pourtant, 5 déjà. On a envie d'un troisième match. Que tout se joue sur un match. Ah, Xuko, tu craques là! Zuko, tu craques, frère. Oh là là, et puis il l'arrête. T'en avais besoin de ce but. T'en avais très besoin. 2 minutes, 2 buts qui peuvent séparer les 7 d'écart. C'est beaucoup trop long pour Zuko. Ouais. Ah, je pense qu'on est vraiment tous d'accord pour dire que ce serait décevant que ça se finisse comme ça. Et la règle, c'est la règle. Allez, 1 minute 30, il a déjà tenu les 30 secondes. Il n'a pas réussi à marquer, c'est dommage. Ça lui servirait beaucoup. On a des fans de Bix là qui arrivent dans les commentaires. Et Bilix qui a explosé Xuko. Et Bilix qui met le sixième but. Alors qu'il reste encore 1 minute 17. Les fans de Xuko qui arrivent aussi. N'oubliez pas, hein, 7 buts d'écart à la fin du match. S'ils te mettent un septième but, tu peux toujours aller chercher un but pour te sauver, Xuko. Eh, il va patienter, non? Si. Il perd du temps, évidemment. Oui, laisse-le venir à toi, t'as raison. Ils y sont. Ils y sont. C'est à Xuko d'attaquer maintenant. C'est à Xuko d'attaquer. Ah, c'est dommage, il lui met 4-3 au premier match. Ça semble la fin. Ah là, Xuko. Ah, tu restes quand même beau à mes yeux. Mais là, c'est 2 buts en 36 secondes. Hein.
C'est mérité. Il n'y aura pas de troisième match. Bilix va remporter le tournoi. Zuko, un point, un match gagné. Bilix, un point, un match gagné aussi. Et pourtant, le règlement est le règlement. Zuko est éliminé. Après, je... Bah, non, vous m'attendez pas, mais... Tant pis, mon petit Zuko. Tu leur as fait douter quand même pour le premier match. Bravo, dommage que tu en prennes plus que 7 ici. Bilic, c'était juste trop fort.